Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. À la une, on va commencer d'abord cette émission avec prorogation de l'état de siège et puis 6 millions de dollars pour Goma. Bandeko, et ça, mon émission, Fati va construire toutes les maisons détruites par volcan. Bandeko, et ça, mon émission, alors, tous à la connecter, beaucoup yuka, ou à sa charge, il y a humanitaire, délégation humanitaire, Mac Lachlan, car, toko yuka, et Bandeko, Fati, ma camion, ce qui toko, pour la Bandeko Goma. Alors, toko développement ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, Kazadi Aïndisi, pillage de la BCC avec des cartes de crédit. Bandeko Kazadi a coûté ma carte de crédit, oh, ma miyibi wa benakabala, oh, yo sele yalugule a bendi ya kosaka anangote, ba yav moulang, bandeko ba carte de crédit. Ba zako utilisango don na denga mukete, don ba sasi pena trésor public. Yango tozo tuna mbongo wango ba yiba kango. Ndi nduwa ndi ba Jezebeli. Alo IGF aeko kanga bango. Na pesi yango na Kazadi. Ba desijue zwami. Bandeko bientu desare on cascade. Alo toko developa ngasam. Troisième point bandeko rangai. E yindi. General Jajija Ozare. Amakala. Numbi bientu. Bande ko affaire chebe ya. Mbala moko ezaki an, ba conclure enquête. Mbala moko ba kangina Jajija. Oya kunde kibembe ya. Bazana na lupangu na ye. Mena general Jajija. Zaki na résidence surveillée. Mena transféré à Makala. Ozare. Donc responsable. Bango na Numbi. Alors toko développement ensemble. Alors, bande konangato comme la première point d'abissu, tu divisé en deux. On va parler d'abord il y a état de siège et puis tu loba. Nouvelle ou écoui, pona ba sinistre nyon soa goma et te bako tonge la bango banda ku bande konangai. On fati va construire toutes les maisons détruites par volcan. Tu go yoka on émission. Alors, commençons avec l'état de siège. L'Assemblée nationale autorise la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu. Et à Ituri. À son tour, le Sénat adopte le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Bandeko, eleki na ndenga kitoko. Yango tozolo baki. Makamunyo sezo salama mena na Assemblée nationale. Te baki wa réponse za kitoko. Nenga to tozo se la Noël Tchani kozala kakabo. Me boko yo kaba vérité. L'Assemblée nationale a autorisé jeudi 3 juin la prorogation de l'état de siège proclamé par les chefs de l'État le 3 mai dernier dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Au cours de la plénière, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté à mon dirigeance l'économie du projet de loi pour la prorogation de l'état de siège. Celui-ci a été aussitôt voté sans débat. Bande ko ba vote ango sans débat. Donc, le ministre de la Justice a silisi masolo. Mbala moko ba député, mbala moko ba vote ango. Yon toze sa bande ko. Mboke changé. Na monet bozo lala. Assemblée nationale, tozo kake kweka na mesi nyo sakre kaka. Oui. Oye Fatia lobi, oui. Assemblée nationale, oui. Donc, bien au moins, on a un gambo, boyo, kamasulu. Yaka kotomba. Pour ma kambo, ils appellent un vrai union sacré. En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, cette prorogation pour une période de 15 jours prendra effet à partir du 6 juin prochain. L'article 144 de la Constitution dispose que l'état de siège est proclamé pour une période de 30 jours et peut être prorogé tous les 15 jours. Sur autorisation du Parlement. Basimbi en va bien. Boyoka, député, à l'hôpital, tout le monde qui déjà va tout moussou, comme à zoé, bâti un bon maga mou changé. Tout le monde qui bango déjà na moussika, tout le monde qui n'a pas de débat.
tobi tozo votant kaka mbala moko. Beza makamusu pekwe ye nango sans débat. Eh ba bébé na bangoui. Bozana problème sérieux avec l'Union sacrée. Bande ko gouvernement ya ba guerrier ba ye nandenga muketi. Ndenge tozo loba awa. Ba sinise na goma ba kwe de bango nandenga muketi. Ya wuto tika oyu wana. Avançons. Après la présentation de la ministre de la Justice, les députés ont passé au vote sans débat de crainte de compromettre les opérations militaires, explique le député Dédé Koudou. Tout bon absolu à débat. Parce que déjà, Moussa les Salamanak est la République, tout l'ingi koutouté des ordres de Mouya, pas ce souci na bango. Ba député y a union sacrée. Non, bon bazana sena, bazana beje ma kambouane a este si la. Bandeko, et ta de siège ou bozo yoka. Tant ou fasse zo zo ba décision wana bandeko nangai, et sa pour l'intérêt du pays. Fatia zana souci a mboka nandenga moukiti. Alors, et ta de siège, bandeko, boko mona ki. ADF wana alimu amwana lesusuti tozaka na armée melo tozanga kinde bibundili tale bazima solo kito totele mela bando kya Kongo bazepili bato balingi mboko yote bande ko soko tali ndenge basasi banque centrale soko tati ndenge basasaka trésor public. Mais les mots faciles à côté à pouvoir se comprendre, c'est pas bon que je ne me dise. Nous avons un système déjà planifié, pendant les 18 ans, il y a une carte de crédit. Donc, ben na kana bango lokola batu bazala kuna finance muta FCC a bombati. Mbalo fatia vita la casa de kendeku. Casa de yo kunta oyu bandeko na metobe sa poana ti. Poeza somo metozo ya na poana. Et ça a coïncidé dans l'émission. Pour essayer de déjà pour trop de mi-hibi. Avançons. Alors, ba député, ba lobby penza, qui est au voté prorogation et état de siège, donc, pas même sans débat. Alors, sans plus tarder, tout yoka prorogation de l'état de siège, bon, on continue l'émission la mission. Ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale a autorisé la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Lors de la plénière d'hier jeudi, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté en mode d'urgence l'économie du projet de loi qui a été aussitôt voté sans débat. En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution du pays, cette prorogation de l'état de siège pour une durée de 15 jours prendra fait à partir du 6 juin prochain. Le compte-rendu de Michel Kefindangoy. Soumise en plénière en procédure d'urgence, ce projet de loi se fonde sur l'article 144 de la Constitution qui dispose que l'état de siège est proclamé pour une période de 30 jours et doit être prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement. Après la présentation de la ministre de la Justice, les députés ont passé au vote sans débat des craintes de compromettre les opérations, explique Dédé Kodoro. Nous avons remarqué que certains collègues profitent du pour commencer à donner les faiblesses de nos forces sur le terrain. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'est pas indiqué qu'on ouvre les débats pour évaluer la situation parce que nous sommes encore pendant la période des opérations. Il faut qu'on aille tout droit au BIP. On pourra peut-être organiser un autre débat à huis clos pour essayer de discuter autour de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Cette première prorogation est donc d'une durée de 2 semaines, souligne Guy Mafuta. Il était important que nous puissions proroger avec 15 jours tel que la Constitution le demande et l'Assemblée nationale a pris acte de cela. Face aux tueries d'Irumu, les députés Jérôme Lusenge suggèrent la militarisation du secteur afin de dissuader la population qui a réellement état de siège. Alors, bande koronga to landi wana ndenge nini prorogation et salami. Ndekwana zaki clair député.
les députés de Dekodoro, Boyo Kaloubi, certains collègues profitent du micro pour exposer les faiblesses de nos forces armées sur le terrain. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'était pas indiqué qu'on ouvre le débat pour évaluer la situation. Nous sommes encore pendant la période des opérations militaires. Bandeko, Batmoussou Soubanakati, Wanane Batuya, FCC, tout ça, Balingay Kabalouba, moi, ma faiblesse, monsieur, ça m'en est allé si subité. Baso salam. Par les camions, ce bas salami, les salami, il y a quelque chose fait. Moi, ma faiblesse, alors, batou, monsieur, ce baya qui wana, pour ma bébé, ça débat. Pour ma bébé, ça, prorogation. Alors, bah, mon acquitto avancé, comme un solo. Batouille, il faut que n'a pas mon vitesse. N'est-ce pas sali bongo, ben, de quoi, loignon, ce soyez. Ce bas, mon cas, batou, mon baya, n'a boutou, mou, d'habit à la bala maille, pas de débat. Ton lex à ma solo voté boum boum, nous étions martyrs que le collègue Messamboso m'a solé si. Pour, il y a un battement soupéna basaba, grand bando qui a Congo bavan na katia, Assemblée nationale. Ma chef n'a pas parti. Ma sotina ou ma solo. Mais ce talibatan ou. Ma chef va partir, c'est basaba vrai ma Congolais. Si koyo makambango atozoloba eti luachani ekota esili sa tout ndenge ba voter progression d'état de siège bana mboka bola de mission tango kaka luachani bozo banda yango kaka pa bo voter kambala moko parce que congolais akosepela na bino na ndenga muketi diaspora ko koma bafana na bino na ndenga muketi parce que diaspora bazana besoin eti luachani eleka. Bandeko, il y a trop des infiltrés. Alors, Ndengo et Salami et Salamabongo. Parlons un peu na Nord Kivu. Bandeko, na Ituri, travail et au Salamako Sakanamouti. Malgré ADF, Bazapeko, Salamasolo na Bango, parce que bon, Balinga Peba Bunga Gabongota. Oyo ADF, Azo Saloma Lobake, Olingo Kende, Olingo Laksabeka Kuzalaki. Ba kena mwa mboko so ba kuti ba basuda ba ate ba salimu eyo manamu ba leki. Me, ba moro anu e salama kizaki asuka. Ndenge, ba mer, ou ba gouverneur, je m'excuse, ba gouverneur ou asika militaire, ndenge ba lobi. Ba lobi ke, tozo sili sa guerre oyu. Ba tu ba kumona na lisute, ba laksi ba tu ba kangi, alors, bandeko, ton landa extrait oyo, bon, to continue mission à mission, n'est-ce pas de chez Jésus Salamassou. À la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bounia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bounia, et on va aller partout. On va les massacrer partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Bouga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bounia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant général Louboyan Kachoma Johnny. Je sais qu'il soit sévèrement sanctionné. Voilà, les premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire. Parce que c'est l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bounia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Nguinga. Les moyens sont là. Alors, Bandeko, tu l'as dit gouverneur militaire à Ituri. Bandeko, le gouverneur va au Salamoussala avec volonté. Tant que vous faites un nom qui est bango, ou un nom qui est bango, ou un nom qui est bango. Ba fruit yango wana.
les travaux bazo la sa peuple ke batwana ba kologo tabango tout soki ba kansa ba salo ba sala ki ba ko sali jujuti ba ko kanga bato tout ba ko tindika bango partout et puis loko tona na ba abonné bele pe ba pesa me message bato oyo so ba kangi bon ba ko tsa mon armée tous ces gens faut ba ke ne prison ndenge ba lobi wana ba me bango directement na prison botindi bango na ba prison ba batu moko ba kuki jamais ko ko tsa mon armée. Tous ces gens, basaba bomi, ce sont des criminels, il faut qu'ils aient prison. Et puis, ils sont en prison, ils sont en prison, ils sont prison de toute façon. Donc, parce que, batu oyo, basali mbeba ya moketi. Ma kamouli susute, komi yo noto kanga bango tout, bakene prison. Donc, bande komo salezo salama, et tade si c'est un projet, puis ko zala tous les 15 jours, bana ko avance. Ya onkato olobake, ce qui boza na majorité na Assemblée nationale, boko sala musala kitoko. Et loko za ozang sa fachi majorité. Bande koto landi wana ba député ne ba lobi, ke baboya kina bango kutata deba. Parce que zana bat moussou ba zana bango wana, azane na kati Assemblée nationale, mazane ndo kia kongo. Aline kongoti, me oza nani, o député. Député ozane ni, ya peple te. Alors, ma kamboyo, bande kwe koko ma histoire. Tu y mette gouvernement na biso bazo travaille ma kasi. Basili sa ma kamboyo. Ba criminel wande bo tomo na ba présenté a biso, bino ba moussoupe bo si bo mona ki ango. Parce ba image yo le kanaki ma kasi na ba réseaux sociaux pe. Donc, batu oyo, baza ba criminel. Il faut ba zala na prison. Bango ba koki jamais ki oh, non. Ba bomi tout. Alors, ndenge baza on en paye. Bazo te kape ba plan so ba kangi bango. Ah, te boy. Donc, bande ko, au fur et à mesure, tout ça ko avance, ta de siège, ADF a ko souka. Ba ko kanga bango nyonso. Alors, la pezi message ko la kolo baki. Bino bo bozo kolabore na ba groupe armé. Pase ya yebi. Gouverneur Luboya yebi très bien batouana ben infiltré wana. Ke bo bazo collaborer na armée. So ki bazuyu. Parce bazo luke la bomba preba o kanga bango. Bandeko. Bate belé les officiers yafa de se belé baza o zare. Alors, so ki ba kangi bango. Ba batou mogu fou. Ba batou sambi sabango officiellement. Parce que peuple. Batu ba koufi nan denga moukete na Nord Kivu, a Beni, aux alentours et à Nitour. Alors, ma kamboana, batu ba linga mouli souti. Etat de siège à marche, tous en espoir, ete moussa les o salama, ma kamboana est comme histoire. Alors, toke skou na deuxième partie. Bandeko, awa oba luba ki yinditi. Le coordonnateur ou a service humanitaire bozomona wana à lobby. Donc Fachi va construire toutes les maisons détruites par volcan. Bogoyo ka délégation maintient le bateau au news, il faut battre la bombe anda kuna bango. Exact, nini moko na tirer les salami dont l'état ko jwanwa en charge. Bande ko pour la première fois na kata RDC les kambwe salami na ba kote wana ya ba Kivu gouvernement jo makama en charge bo ya moto féliciter le chef de l'état bandeko musala pene ezosala yango facha lobaki ke peuple a ko juger na après makambo ya volcan le coordonnateur humanitaire de en République démocratique du Congo David Ma la clan, car et lors d'un point de presse avec le représentant de la communauté humanitaire en RDC, tenu ce jeudi 3 juin à Goma, revenu sur les besoins urgents des habitants de Goma et du territoire de Nirangongo après l'éruption de Nirangongo. Donc, tout le monde a qui va préparer le quartier et va tomber là-bas, on va parler. Alors qu'il y a besoin comme même 20 millions d'interviews.
Pour le moment, ça tient à 6 millions. Bambongo et Zakaka Kouya. Ba pays pas ces Nations Unies. Donc, yaza représentant Zako Senga. Fatia lobi mbongo wana. Yatala yam. Ye azala liso na mbongo wana. Yaza chef à délégation humanitaire. Aba mbongo nyonso bandeko bazo pesa. Yango wana. Donc déjà 6 millions de dollars pour Goma. Na maboko pour ma bande d'activité ya ko débatu eh batu ba bimaki ko construire bango place. Ya moto je sera congolais to tikabilo baloba. To sana présent o nzambe a pesi biso yi. Mwana mboka makila na biso menazo kamu ibele bazo ko lota soki bazo ko rêver soki wapi. Na ebité so talo bazolo ba mawa me na sese bandeko ebele to keba mikro wana oyo bosi oyo tozolo ba bokeba na oyo bozolo ba et surtout e pa ya garant de la nation ebele ba ko risque ba vie na bango na Europe ko beba. Pourquoi? Parce que ba gouvernement même en Europe na ndimite journaliste français aya bana ben insulte et pas Macron akusala ngote des insultes okuzala aux arrêts pays mon côté na media ba aussi poti ba finga chef de l'état et ça te même ma pays démocratique européen insulte ze loko mo fuba kanga yo mbala mo kwezana ba pays d'Europe yango bande ko belé bazba ke bana oyu to pesa ba un conseil. YouTube kako bozo mona. Bo yebite. Ba kongole ba kozala pe kuna ba so sala. Ba epi ba yebi lingala makamtu bozo loba. Des injures. Eko ye la binungayi. Bozana kata mikro ezo tikala. Bana yo ba yako mona. Ah, papa zaki journaliste a finga gane batu. Eso yo ka sonite. Vous savez, bozana pana. Pesa message moko propre à la nation, message moko clair, message moko à vérité. Parce que information on est tikalaka. Baya kumona ke mwana ya mwana ke papa azaye ko finga chef de l'état. Non. Bokeba. Bako kanga bino tozo pesa bino conseil ozana ba pays européen tika oyo sala. Oko regrete vino na ndenga mukete pena bakangiyo pona be insulte. Lobani nouvelle ndenge lobami. Et c'est tout. Alors, bande kuranga, sans plus tarder, toyoka, ndenge nini bako ede, bande kwa goma, ndenge nini deye wa siwa jui 6 millions de dollars, ndenge nini bambongo e bazo senga, npo ete batonge la bango ba bandako. Bazonga penana ba pale ya sika. Donc okutaki nirangonga buki pale na yo bazo tongilo pale ya sika. Donc ma solo pena kitoko. Alors tolanda yango monto continue mission na biso. Madame, Monsieur, bonjour. Honore qui vous, deux semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo, 52 organisations humanitaires ont assisté des milliers de déplacés et autres sinistrés. Le bilan a été dressé jeudi soir à Goma par le coordonnateur humanitaire en RDC. David McLachlankar a affirmé à cette occasion que grâce à l'action des médias, environ 6 millions de dollars américains ont été déjà mobilisés pour répondre à ces besoins d'urgence. Le compte-rendu de Bernard Nyangi. L'éruption du 22 mai et ses conséquences ont causé la mort d'au moins 30 personnes. Plus de 3000 maisons ont été détruites. Des centres de santé et des écoles ont été affectés. À y ajouter, les 230 000 personnes qui ont été évacuées des 10 quartiers de la ville de Goma, placées dans la zone rouge, révèle le coordonnateur humanitaire en RDC. Même s'il s'est réjoui de la réponse déjà apportée par les 52 organisations face à cette crise, le numéro 2 de la MONUSCO estime qu'un autre besoin lié aux réparations des dégâts causés par cette éruption s'impose. David McLachlankar. Je me réjouis de la finalisation de la stratégie de réponse humanitaire à cette crise qui permettra
d'apporter une assistance immédiate aux besoins des personnes déplacées, bien que tous les regards soient tournés vers les personnes déplacées à Sake, Rutshuru, Minova, il ne faut pas oublier qu'elles rentreront certainement un jour chez elles et qu'il faudra réparer ce que la lave du volcan a détruit et ce que cette évacuation préventive a engendré. La communauté humanitaire appelle qu'à ce jour, 2 millions d'euros ont été octroyés par l'Union européenne, en plus de 1,2 million de dollars américains par les Nations unies et 3 millions d'euros par l'Allemagne pour répondre à ce besoin humanitaire d'urgence. Goma. Allô, bande Konanga, Tolandi Bisognon Souana. Nous avons suivi. Tolandi, Mac Laclanca, Oa Lobby clairement. Que tous les regards n'étaient pas bandés qu'au banda qu'on a bango ça détruit maison détruit alors bambongo alobi a sepeli trou bolandi wana que na ba réponse oyeye na makamunyon sondege nini ba coopere na gouvernement bande ko bambongo za kuya wane za kaka début 6 millions Fati habite yo dirige makambo wana bambongo. Ya yele kakute para yeza la wana. Ba avanse nango. Ba construit batu onyo so banda kuna bonde to landi wana. Bango bazonga na ba pale. Bande ko ekotika la na histoire. Ke volcan salpa se bande ko zamba li bose salamatea. Et ça, la Makalibosu. Batoua la bazana pouvoir. Mais bah ça, les locaux. Bah ça, 18 ans. Parce que ça mène à 2017. Et puis, donc, et au moins, on a clairement que Batoua yo bazawa na bande konangaye. Bah, ça, la moussala kitoko. Ou ba koti sika. Gouvernement ba za wana po na peple. Union sacré ba termine nga mukete bandeko. Soki to yoki na ndenge ka ba lobi wana. President azana posa ya mboka na ye bonga. Azana posa kongole azala a l'aise. Réponse o ye a pesaki. Makamunyo sa lobay ke. Ba vanda kuno banda kuonda kubuka nizala kuna fachi save ke deja ba solution zanku ba kotonge la bango ba vre place parce que bandeko mboka ko ils ont changé boy nete so bozola nde économie na semaine na banque centrale ba miyibi wana bazaye ko pie ba mbongo ba suki tozana Nicolas Kazadi Bambongo ba entre ezo kota na ndenga mukete. Et puis, aye kukuta ba miyibi. Metozo ya na pongo. Alors, mboka na ndenga ezo changi. Ba kongole toza la bomoko. To tika kolanda ba diskura lukuta. Paske ye komi tango yo, toza na ba dosye mi bale mena. Toza ye na dosye li boso kaka ya itali siyeji wazo bomo vandiko na biso. To ye na dosye mi bale, oya nirangoni. Nirangongo ko deja solution swami bambongo e monani to landi maklankar denga lobike azaja satisfait na ba réponse nyonso donc na ba li condamné bo landi batangi wana o ute Union européenne ni ba sanction so 6 millions de dollars o bazaron na maboko mais a lobike azana besoin en plus pour bande ko ba ko tongela bango pende sika avançons. Donc, le coordonnateur humanitaire de la République démocratique du Congo, David Maklanka, est lors d'un point de presse avec le représentant de la communauté humanitaire à EDC, tenu ce jeudi 3 juin à Goma, revenu sur les besoins urgents des habitants. Donc, c'est ça. Besoin d'habitants va saler la bango. Makamounion se va aider bango. Peuple wana oya kende kyo bazo lo bakyo. Baza ko aider batute, ba sinistre, bazo souffrir. Faux masolo, totika masonge. Et bandeli premier jour bazaine ba difficulté, mais pas pour le moment.
bazana maboko ya ba organisation humanitaire bazako aider bango tomona ki biloko a support au gouvernement pesaki tomona ki fondation de bako aider bango donc bazana na bonne main alors bandeko situation oyo ya Nord Kivu eko koma masolo eko koma histoire ya ontozo senga bino bo comprendre direction à chef de l'État mboka na monsieur Kubunga to tika ko landa ba fo oyo bazolo ba wana alors to tiki premier point na bino to komo ke na deuxième point alors bande ko na ngai eza pasi pe mawa donc soki na zotala ba carte de crédit oyo alingete na asira chelo bo alume batunyo dossier o ezaki banda kala le sele ya lugule azalaki wana rapport IGF sele ya lugule abeti nango kara tane po soki ba mbongo ba verification yo ya lugule ye moko kutaza na probleme sérieux kwa ko justifier ba mbongo wa dépense ti tango to kotanga ba détails bo lo mboka na biso tala bande ko to sepela fwatia ko sunga mboka mboka oyo batu ba yiba ba la net na mboka na biso ezati do gouvernement pendant 18 ans bazaina ba plan do nasi ba sala maquette na bango le ba ye babi bon munde to zo nde to ana pouvoir ao ngana ko bima milliardaire yo ko bima millionnaire yo be millionnaire do muto na muto sala na marque na yo ko tala ngati yo sala na marque na auto sasa kak batu oyo batika na kaka marque wana bande ko pays na bise etika des gens quoi stérile ça ne bouge pas do pays pene kufi na ngodong ezo produire le côté Batoyo, donnez-vous, pendant les 18 ans, vous avez fait un conseil des ministres. Vous avez fait un conseil des ministres. Mais si vous avez fait un conseil des ministres, vous avez fait un conseil des ministres dirigé par le premier ministre, Mata Tamponyo, par le premier ministre. En tout cas, nous avons fait un conseil des ministres. Bruno Tshibala. Au premier ministre Salibereniu Masoni Bruno Tshibala bozai pena ko sola masolo nini na réunion à conseil des ministres bozo kabola gato ke yo yiba boyo yiba boyo yiba to tozo comprendre te comment le pays ezaki dirige so nous on mona ba aventure boy bande oza 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 kwa chekulati oza ndi ba oyo ka police aya kangi batuna ba carte ba beta kanango ba kop. Hein? Et avançons. Casse de Aïmissi, pillage de la BCC avec des cartes de crédit. Par une correspondance datée du 31 mai 2021, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a instruit le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Deogratias Mutombo, d'annuler les cartes de crédit qui sont approvisionné avec l'argent du compte général du trésor public. Et ça y a kouinda, et c'est une émission. Mutombo a causé un problème qu'on a venu ici. Parce que, yé moutamona ba sènyons, a woumeli pe mingi, nan so yé bate, fallait ba changer kagaye. O ba kabo, il faut ba changer yé. Nasomone loko monta kuku vanda wana. To yebi dossier nina mozindote. Parce que ndeto zo yoka. I peut-être za arepe. Azana liste wana oba kuka. Mais nanto zana confirmation te. Wana zaka les ondes. Cette mesure de la gentille nationale a été dictée par les conclusions d'un rapport de l'inspection générale des finances à la suite d'un contrôle de gestion effectué récemment à la Banque Centrale du Congo. Il y a une banque centrale, où il y a Koutaki,
Mawa. Montant un kiop au ministre des Finances à Bendaki. Montant un kiop au bandeau na boba longwa. Oui, au ministre Bwa Bendaki. Ah. Mais ministre, on a zaka su ministre des Finances. Atiza bakat. Bandeko, situation est en flou. Le gouverneur a peine à prononcer. Comment bateau, si ba longwa ba ministre, il y a finance, mais va bénéficier à bango ba tisa ba carte. Je ne sais pas. Na ba carte wa le ben prima ko ba check ba combo na bango si je comprends bien. En Zambi. Na koya kana kate mission na koya kana si parce na zo ko kati. Je manque même des mots. Comment na ke muyibi ya boyi? Eh ben de kolanga FDC na biso. Selon les informations fouillées par desco.com, les inspecteurs de l'IGF ont découvert à la suite des contrôles de gestion à la BCC que même des personnalités sans qualité ni des droits détenaient des cartes de crédit approvisionnées par les comptes du trésor public. Bakoutana Batumoussous Azana carte de crédit O ya kuko zwa yangu, te atili zaka yangu. E nzambe nangai. Na koi, nzambe nanga mutu pasi. Nemisyon, bandiko. Foko mela mai. Edo mwaete. Mutema penako. E donc, cette mesure vise à stopper l'hémorragie financière du compte du trésor public. Alors, Nikola Kazadia, kota ba, ta la gauche. À la droite, à la kafumba ba carte. Nancy Riele Raye, mon père, alors monsieur le ministre des Finances, on va passer la carte pour Nayo. Nancy, vous êtes cause, na marque, on a gagné non, na boule. Kasa de lui, carte pour Nanga de crédit, pour Nani. Oh, yo, ministre des Finances, vous avez la carte de crédit, ya, Banque Centrale. Ah! Bande koma kambweza minene awa. Toko yoka batu. Bande kotala. Badosye za badosye mboka kusakana. Ote badosye minene. Ba grand tete na kata RDC. Oko yoka bande kona ngai. Ii nzambi. En principe, ne peut bénéficier de ces cartes de crédit approvisionnées par le compte général du trésor que le ministre des Affaires étrangères, les ministres en charge de la coopération, les ministres des Finances et le gouverneur de la Banque Centrale. Bah, le bateau va causer une carte ouana. Et ça, il y a quatre ministres. Ministre des Affaires étrangères, ministre en charge de la coopération internationale, ministre des Finances, na gouverneur de la Banque Centrale du Congo. Ma carte ouana, bango va utiliser ça. Et Nzambe Nangai. Situation est assérie. Pourtant, les inspecteurs de l'IGF ont découvert plusieurs détenteurs d'inclus de ces cartes de crédit, dont des anciens ministres, des anciens dignitaires. Bandeko, anciens ministres, Azana Kartou. Masé Longwane est ministre. Donc, les ministres ont tout pendant 18 ans. Ah, Nzambe. Mboke Koufiko. Mais RDC, ça a un problème sérieux. Donc, ça a un problème, mon koua, pour na ko résoudre yango, et zo senga batu tous les hommes en cravate, batu onion so bakanga bango en flagrance. Tous zo mon attende genil bako sa la même enquête au bon aboué, baza batu faut flagrance et salama parce que batilise ma carte de crédit, ba saboter économie nationale, yango tous zo kon mon ke banque centrale, et ça a un problème. Bandeko, bakanga on leona l'obite. Le 31, tant qu'on a kangi ba carte, tu qui suit na Banque Centrale est économie comme stable. Pas ses dépenses et salamité. Donc, batouana bazaye ko benda chaque jour. Et nous avons
Donc le 31 mai, tant qu'on va annuler toutes les cartes, ah, Nicolas Kazé a dit bravo. Il y a un autre chose qui va congolais. Tala. Fati a un plan pour Namboka. Kotia Nicolas Kazé a dit place wana. Aïe baki et paye pour ça. Pas si payé koko vivre boiti. Pourquoi FCC a oué la et kaka finance? Pourquoi? Na union sa, na FCC cash. Pourquoi bamba oué la et kaka ministre de finance? Ministre de finance va kangye na dernier de dépenses et ma carte de crédit. Situation sa mouboulou. Donc, nous avons monté, nous avons avancé dans le monde. Parce que nous avons avancé dans la prison. Nous avons dit, ah bon, justice, il faut que nous avons ordre. Bon, nous avons évité. Il y a un l'air, nous avons une dictature, nous avons tous ces gens, nous avons une prison. La dictature est moins à moi bien. Mais comment tu peux oser la tête? Tu as eu un on s'abenangai. RDC Nabiso et comme boui. Mais, bakoufouta. Bakoufouta pena yango très très bien. Bakoumona pena ke o. Tu as un problème. Ce n'est pas possible. Mbongo ba congolais. Batu bakoumo sakanaka na mbongo oyo. Onde konanga congolais. Ah, Nzambe. Mais c'est grave. La situation est grave, Bandeko. La situation est très, très sérieuse. Nandenga mukete donc. Et ça, problème, on va s'en aller. Donc, Ndenga Bazala qui a tout. Yav Moulang, ministre des Finances. Doba ministre en yos. Bande ko ba tangi batu ba koza na ba carte wana. Bo comprendre que ministre affaires étrangères wana kala kenda na ye. Azaka na carte wana ndako na ye. E sa kre ko zong sa carte wana. Ba ministre wana ba kende se ba zong sa ba carte. Carte zana dire ba 5 ans. Avant expirer. Donc carte bene bete nasir avant même expirer. A ke pene assassi assassi. Avançons. Pourtant, les inspecteurs de l'IGF ont découvert plusieurs détenteurs, inclus de ba plusieurs pénal détenteurs, Oyo, Bazo Simba, ba carte wana, inclus de ces cartes, ce sont des anciens ministres et anciens dignitaires. Avançons. Ici, il est de noter que ces cartes de crédit sont utilisables en principe seulement à l'étranger. Lors des missions officielles ayant droit à ces cartes s'en sert pour payer les billets d'avion, hôtels et autres dîners offerts aux partenaires extérieurs. Donc, paraît-il, carte wana, bako soyango pe ba ministre wana 4, et zaka apoba kenango libanda. Donc, ce qu'on voyage à l'extérieur du pays, ou utiliser carte wana. Et nzambe nangai. Nzambe nangai na étranger ba ke a kouti a bendi le loi, a kouti a bendi million, a kouti na banque na na poto. Ah, nzambe nangai trésor et koufie. Andiko. Et puis ba carte yo, et ça na ba limite, moukwa minene ba monta ba million. Ba kaye kosa ba monta ou sa kana monte a trésor public. Et nzambe. Donc, les lois qui appellent, tout ce qui est limite par jour et à bout, les lois bénissent 10 000 dollars. À qui tu as un compte dans la France. À y a bendi 10 000 dollars. À qui tu as un compte dans la France. Mais basa ça, utilisant un peu de sous, n'a rien de ça voyager. Oh, notre beau pays. Le bateau n'a pas monaté. Donc, ancien ministre, il y a un rapport à la Banque centrale, il y a un rapport à la Banque centrale.
Les informations fournies par deskeco.com, les inspecteurs du GIGF ont découvert à la suite de ce contrôle de gestion à la Banque centrale. Donc Mutombo, gouverneur à Banque Mutabimisaka ba carte wana, a pesi yo zwa carte, yo zwa carte. Et voilà ma carte oyo, tant aux otala oyo, oyo za pillage. Mbongo ba Congolais, bozo sakana nango na ba famille na bino na ba pays yo européens tous. Oyo ka le deux derniers ministres ya finance, bobo ya liboso avant bango. Avant Yav Moulang Zakinan. Donc, Bamatata Mponyo. Hein? Yo, Nabegaota, Matata Mponyo. Bazana Bakartu. Bachibala. Bazana Bakartu. Eh, Nzambe Nangaï. Hé. Baministre ou affaires étrangères, Bachio Tundu. Azakina Bakartu. Baministre ou Ananyosto. Bandeko gouvernement ou Yume. Yangumboke Koza Nambongo te. Pwe oyo, mouteme salipasi, na kumo kata rapon. Toutika on abino. En tout cas, toke na troisième, popo, mouteme zo chauffe, moto po, ouma kambongo yo kene bwe pe plaza na pasi. Toutika on abino, toke na troisième po. Alo, bande konanga to komi na pwe na biso ya suka. General Djadjidja Ozare est transféré à Makala. Makambu ya oya chebeya mena ekome a marche moteur a marche makampene bandi batuna bakangi nanu yemuta ordonaki ali a makala ndenga zaza na makala aoze la prosi dotiba kukanga numbi prosi numbi deserter bazulu kise partout bakuzwayi. Déjà, Moza Zimbabwe, Bazako sala ba recherche na yi. Affaire Chebeya a signé en résidence surveillée, le général Djelwa Katanga Djadjidja arrêté et placé en prison. C'est vendredi. Donc, Ndenga Zawana aza placé en prison lelo, le vendredi 4 juin 2021, aza na prison. Yamakala. Bien avant cette arrestation, il a été interrogé par les services de sécurité sur les allégations selon lesquelles la dépouille de Fidel Bazana serait enterrée dans sa concession située à Mitendi, dans la partie ouest de la capitale. Yé, nde, et bembe à Bazana, batiaki na lupangunaye, mena azana makala. Bandeko procès Chebeya en mars. Bazango tuna banakala, babanako kanga mu kolonini e bandi. Djadjidja na prison, bras droit ya John Numbi. L'ONG des droits de l'homme s'envoie pour Bango, va commémorer le 1er juin, oui, le 11e anniversaire, ya assassinat ya Floribé Chebeya. La voix s'envoie se réjouit des avancées dans les dossiers relatifs à ce double assassinat. Dit cependant, voit des inquiétudes au sujet de la récente fuite de Général Numbi, pointe du doigt comme principal commanditaire des faits. Vont s'envoyer à CPL et à l'avancement du dossier. C'est ça l'anniversaire. Alors, à CPL et à l'avancement pour arrestation et bandit. Mais, ils ont ça l'avancement pas si pour l'avancement Numbi n'a pas joué. Ceci n'a pas que Numbi va jouer. Parce que Bandeko. Bato yo, mais ba bomde ba bomaki, ba condition mandeko ba kufaki. Eza mawa. Mais nouvelle kwe, nde tolo bawa, azaki transfere lelo. Aza mena, na katia makala. General Djadjidja, azo lata dia mayo jaune. Nde tozo lo banabini. Donc, bato yo, basali mbeba kusakana ngote. Azaki interroge, avant arrestation, azaki interroge. Alors, il est placé en arrêté et placé en prison. Donde to lobawa azana makala. Azuliambala.
mais procès et je salam. Que ça veut dire que l'émission est qui dossier comment on m'a beaucoup fâché. Fâché mais comment vous tardez dossier. Voilà, pas ta voix sans voix, bah, ONG va ici fâché, va tirer pression au auditorat militaire. Comment va dossier je vous mets là? Il faut battre ma kanga kanga bango amas. Donc, de tout le bawa, général Djadjidja, Azan, na katia prison, ma voix. Donc, Azan bien accueilli. Ah bah, petit à prison, alors viens, général Djadjidja, Neni, soyez les bienvenus na katia makal. Donc, Allah t'a bien tenu en un jaune, yé général. Ah! Ozon di ma pe bembe ba kunda na kata pale na yo. On di mi pe ba bo ma batu. Ma kila ya fkebe ya ezo tambula. Yango o tuto salaka. Tandeko, tala. Ma kambo nyonso ha. Ma kila ya batu. Ba ou jamais. Suka suko kofuta. O senga bo limbi se on zamba limbi sa ome suka suka vous allez payer. Alors, bande ko haute cour militaire, ba bandi ba démarche ako saka anamote. Mena, moutou basana bejeune pour le moment kakanumbi. Pase ba se ba kanga bango nyonsu. Christian go iwana zana prison nandolo, ba se ba kanga bango tout. Alors, Azo liambala. Anatanda basamisai en prison. Et loko, ezo salamawa. Eza komona koman. Batou yo. Bazo sala. Kuboma batou na ndenge abui. Bandeko peuple congolais souffre na ndenga mukete. Yango chaque fois to yepsa bandeko. Ete l'arrivée de Fatia avec l'état de droit. Makambo et salami kitoko. Fallait battre au nion soubakanga bango. Donc, n'est-ce pas là? Aza penana vrai boloko. Donc, ayebike ngabi liaki ngabi koki. Siko yende alakse pa John Numbiaza. Aza la prison centrale de Makala. Chambre, écoute, balobi déjà. Total, chambre, sois en chambre, zone numéro 5. Ah, Nzambe Nangai. Batoyo. Ba détruire mboka na ndenga mukiti. Mais, ta ekoki. Et comme ta oyo. Batoyo. Ba futa. Il doit payer. Oh, nous sommes là qui et pas ma Congolais. Nous avons souffert. Mais, ma kila ya chebe ya ezo tambula. Moi, si na ya zon lena na bana na ye, boko bikati. Bako tika pe bino a l'este, boko zalo zare, yangwa ne salami. Bande kurangai, batu oyu, impunité ou est salami na mboka na biso et ça passe ya on a eu sa bandiko ebele tala facha eko sauve mboka na état de droit kala nani général la boba kangai na 2010 o mboka kangai bakangete basal faux procès mais lelo général azo liambala ce vendredi na makala mena ba holanda batu batikani bakanga bango ozare. Parce que, oye salama kinde ba, condition de ba bomela ki chebeya. Batu baza batu mofu basa ba peine de mort. Ils ont tué. Hein? Donc, et ça mawa. Fouba luka ba changer na ba peine oye ba 20 ans oye. Ba longo lango parce que les gens tuent comme ça. Hein? Ndeto la ende kwa o pasteur wana wa bomaki mwasi tout ça que 20 ans de non baba tu obomi mutu pena donc o te pena peine de mort do pas de délai o kufika na makala lo kwa to bwana biso pandezo me kan ndingo saka na makala o lali ka hakuna ti o kukufa malibanda TV ne ku batu bakotika
faut loi va changer ma tia batupena prison ya libela ça dit yo ko mona sou mo kiloti au kufa na prison parce que j'ai mon prison à vie et ko za kitoko mais bozo kate la bango ba 20 ans faut loi oyo va changer ango parce que bandeko et ba loi oyo faut ba revoir ango union sacrée ba député parce que mbeba po ici la EDC bon match ça peut ba loi na bat mi yiba mbongo botia ba loi moko makasi mboka na biso loi changer parce que bon peut ça commenter ba loi il faut ba changer ango pour na bato batika ko sala mabe allo bande ko nangai c'est à ce point de comment clôturer mission na biso bo abonner massivement merci na ba commenter merci na ndebo la de mission pour continuer ko partager to lingi bino trop bande ko nyoso balanda ka biso chaque fois. Au revoir, à la prochaine.